abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Mon Pépé Lukoki TV. Siti ya Maman Nabiso, Yvonne, Motema ya Lider Claude. Tomengi bino, boya ebele, boya, bo s'abonner. Na Mon Pépé Lukoki TV, yangone makambo. Et juste après le dépôt des gerbes de fleurs, s'ensuivra la levée du corps pour la place des artistes où nous allons procéder au dévoilement de la plaque en mémoire de l'artiste Muteba Musangu Samuel alias Chaba. Et après le dévoilement de la plaque à la place des artistes, laissez tomber cette chanson mythique, cette chanson pleine de souvenirs, cette chanson est aussi et fait partie de la vie de celui que nous pleurons aujourd'hui. Ainsi poussé vers le nouveau rivage, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais jeter l'ancre sur l'océan des âges.
disait Alphonse Lamartine. Oui, Samuel Muteba Moussango Dishaba, le moscovite, a poussé, il est poussé vers le nouveau rivage. Il est passé de l'autre côté de la Seine, que dis-je. Il est passé derrière les rideaux et s'est installé dans les coulisses éternellement, d'où il continuera à regarder la suite de cette pièce de théâtre et la vie. Oui, comme tous les auditeurs du célèbre penseur et auteur sénégalais, Birago Diop, il disait, les morts ne sont pas morts. Ils sont dans le vent qui souffle, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans le ventre de la femme, ils sont dans le bébé qui pleure, ils sont parmi. Chaba est pour ainsi dire parmi nous, est bien confortablement installé dans les coulisses éternelles et bientôt sera aux côtés de Stewart Inga, Nsengo Liangenda, Ebale Mondial, Mopepe, Monzele, Mindondo, Sans Souci, Papa Chef, Chapo, Dodungafura et j'en passe. Et comme eux, il sera sous le regard critique des metteurs en scène, Chitenge Sana, Mikanza Mobiem, Honoré Galant Mutombo Bwitch, Katanga Mopei et nous sommes. Et au théâtre, tous nous jouons. Et cette icône, née en 1956 à Kinshasa, qui repose dans cette caisse en bois, a fait du théâtre depuis sa tendre enfance, dans la troupe Mwangazo, créée par Feu Niemba Arthur. Et pour intégrer enfin le célèbre et mythique groupe Salongo de la chaîne nationale, la RTNC, dès sa création par sa grandeur, Chitenge Sana, en 1975, avec son ami et voisin du quartier, Inga Stewa. Nous retiendrons que ces deux noms, Inga et Chaba, sont tirés du projet Inga Chaba, du projet d'électrification de la nation par le maréchal Mobutu. D'où sont venus ces deux noms, Inga et Chaba. Il a vu venir tout le monde au groupe Salongo et toutes les générations. C'est de la mémoire du groupe Salongo. C'est une bonne partie du théâtre populaire télévisé qui s'en va avec lui. Avec un 14-18, avant de se faire rejoindre par Massoumou Debrende, Sonzo Inga, Sonzo Simon, Mama Bomengo, Koko Dioko, Mama Bolingo et plus tard par Massassi Karpouche. Dans les grandes réalisations aussi bien du cinéma que des dramatiques télévisées congolaises et de ce qu'on appelle un zonzing, Chaba a répondu avec brio, soit comme interprète, soit Kalende d'Imundele Ndombe et de Léon Benjamin Yeya dit Papa Mokoke Ngalima. Et je voudrais que nous nous levions pour applaudir l'artiste qui s'en va, pour dire bravo l'artiste. L'artiste Chaba demeurera parmi nous à travers ses différentes œuvres. Le paradoxe. Très reconnu et primé par plusieurs organisations culturelles au pays, dont la dernière en date, le prix de l'immortalité lui décerné par la Fondation Tokalisa il y a deux semaines. Chaba, primé en Afrique, en 2014 en Côte d'Ivoire, est reconnu comme citoyen de la ville de Toulouse en 2012. Chaba, très adulé par la diaspora congolaise, le moscovite Chaba quitte cette terre sans la moindre reconnaissance officielle de son pays. Aucun brevet, ni une moindre médaille, malgré tous les mérites. Voilà pourquoi nous n'avons pas voulu entreprendre une quelconque démarche pour une décoration à titre posthume qui ne serait que moquerie et hypocrisie nationale.
Et depuis cette création en 1975, 47 ans, bientôt en février, le groupe Salon de Théâtre de chez nous n'a jamais bénéficié d'un regard intéressé des autorités. Malgré son immense travail de mondialisation, de lutte contre les antivaleurs, dans un divertissement sain, malgré l'engagement de ses membres à la bonne citoyenneté, le membre du groupe Salongo, disais-je, partage la misère dans l'insouciance totale des dirigeants qui se complaisent et se limitent aux félicitations verbales. Outil de propagande, de sensibilisation et de vulgarisation des bonnes mœurs, ce groupe a toujours accompagné les différentes politiques nationales à travers ses œuvres diffusées à la télévision nationale congolaise, la RTC. Depuis le maréchal Mobutu jusqu'à ce jour, le groupe Salongo Théâtre de chez nous remplit son devoir, son rôle social de divertir en riant. Qu'il nous soit permis de rappeler à la mémoire collective les œuvres comme Salongo. De la diaspora, cette œuvre jouée par le groupe Salongo à l'entrée de à l'avènement du musée Laurent, la lutte pour la moralisation de la gestion de la chose publique, et bien d'autres, le groupe Salongo répond présent. Je m'interdis de croire qu'il faille faire nécessairement de la politique pour mériter reconnaissance et vivre et bien vivre en RDC. Je me permets d'espérer, à l'instar du fils du pays, le docteur Denis Mukwege, qui a finalement obtenu le soutien de son pays à travers le chef d'État, le groupe Salongo continue d'espérer, pourvu que ces derniers mohicans santé des comédiens. Sans cela, on enterrerait déjà autant, et celui que nous pleurons aujourd'hui peut-être aurait déjà cessé de vivre depuis quelques mois, pourquoi pas quelques années. Chaba, vieux sable, moscovite, les rideaux sont donc tirés. Va en paix. Adieu. Je vous remercie. Bana Bazali Wapi. Avec son caractère humoriste, il était porteur de valeurs, un artiste doux, gentil et ouvert à tous. Pratiquant de valeurs chrétiennes, créant ainsi un bon climat à temps et à propre compte. Une ambiance harmonieuse partout. Le délégué de l'Association nationale du théâtre populaire du Congo de venir prendre le micro pour le mot de la NTPC. Il s'agit bel et bien du président de la NTPC. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le 27 mars dernier, alors que nous étions en train d'esquisser quelques pas de danse du Pacifique Palace à l'occasion de la journée internationale de théâtre, alors que nous venions de terminer la première partie de notre manifestation qui était destinée
à une formation de renforcement de capacité avec l'appui de nos amis de l'INA. Chaba m'interpella pour dire, mais président Massoumou, ce 27 mars est une grande réussite. Je ne croyais pas qu'on pouvait mettre ensemble plus de 350 artistes dans cette grande salle de Pacific Palace. Et qu'il fallait nécessairement faire le double l'année prochaine, c'est-à-dire le 27 mars 2021, qui est, comme vous le savez, la journée internationale de théâtre. Et depuis deux semaines, puisqu'il y avait ce défi, nous avons commencé à organiser cette manifestation qui aura lieu au mois de mars prochain pour que nous puissions faire. Chaba a fait ce qu'il fallait faire. C'était un artiste et en tant que membre de la Sokoda, il a déclaré certaines de ses œuvres. C'est vrai que ça ne va pas encore très bien, mais du moins chaque fois qu'il avait. Libanga na bikeke,
Yonde mozalise makambo seko Natalelio nakoyoka sonite Kolia tata tembena yo Yesu Asuka lero nakati akunda Ezeke sasale lakio Obakise lakie bambula Oyo zaliza me Obonga niteo Tango yesimba mina maboko na yo Écoutez mes frères, l'heure appartient au Jésus-Christ. Nous devons fixer nos yeux vers lui. C'est lui le rédempteur. Éternel est mon berger, moi je ne manquerai de rien. Même si dans la vallée de l'ombre je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Jésus. Asuka lelo na katia kunda Pae mabeta tolo na mokilo yo Asuka na katia kunda Nzambe ya tika ni nzambe Agogwa niteo Bikeke na bikeke Inde ya tika ni kaka nzambe Totale liyo Toko yo kaso nite Kolo ye Batete mbe na yo Yesu
asuka lelo na katia kunda. Bata tembe na zamboyo, asuka na katia kunda. Boyo zali nzambe, yobongwa niteo. Libanga na bikeke, yonde mozali se makambo seko. Nataleli yo, nakoyoka sonite. Goliata tsa tembe na yo Yesu. Asuka lelo na katia kunda. Ezeke sasale la kio. Oba kise la kie bambula. Oyo zali zape. Oba galite o. Ben, voilà. La série continue. On continue. Donc voilà. Mes salutations à toutes les abonnés de Mupepe Lukoki Télévision. Merci à votre fidélité, votre confiance. La Nenga Toko Semloka Moussala, pour comprendre les gars de Nicolo, pour rapidité, ça peut être un boulot fort. Donc j'espère que vous avez suivi les mots des circonstances et des messieurs. Soukari et Lombé. Donc c'est-à-dire, Chaba n'a pas été honoré d'une manière république. Donc Chaba a mérité l'honneur et Mboka, tant qu'artiste qui a travaillé tant d'années. Donc c'est-à-dire, ça est équitable pour Mboka Nabiso. Nos artistes ne sont pas honorés et n'a pas valeur moro quelconque vie à Moussala ou Basali. Donc ça vraiment pas si un artiste qui meurt sans être décoré. Donc pourquoi on l'a décoré d'une manière hypocrisie quand on est le président Elombe, pourquoi on a décoré été parce que ça va décoré et ça la hypocrisie parce que de son vivant il n'a jamais été honoré ni décoré n'a pas diplôme moro ya mboka. Rien que la Fondation Tokanisa qui a donné, qui a remis à l'artiste un diplôme de mérite. Donc, c'est-à-dire, nos dirigeants, la République Yamboka, la ministre de la Culture, Obazoya, de temps en autre, il y a un mandat. En tout cas, il y a un peu de effort. On a beau reconnaître la valeur artistique, il y a un artiste Nabiso. Donc, il y a un artiste Nabiso sans être décoré, sans un bien mérité d'une manière république. Donc, République, Azo reconnaître que grandeur et artiste a récompensé Namoussala Oya Sali. Donc, ils ont vraiment m'en plein. Donc, voilà, nous étions là direct, en direct dans l'espace Oba Exposaki, Ndewonabiso, Chaba, dans RTNC, Bissiga, Bazaki, qui travaillait. Et je tiens à vous rappeler que c'est rien que la première dame de la République, Mama Denise Nyankero, que j'ai sali à passant, qui a pris en charge toute. Les organisations funéraires de notre artiste disparu. Donc, je m'en plains. Nous avons fait notre monité, Baptiste Baïté, Baptiste Batambolité, Baliété. Donc, moi, je suis venu à Moutou, Marambo, Isaté. Nous soulevons que les artistes Baïar, Makassi, ceux qui Batambola, qui ont été en porte, ce n'est pas le ministre Songol, pour pas que je sois au Kunda. Voilà, je suis venu à Moutou, je suis venu à Moutou, je suis venu à Moutou. Donc, Minga, Isaté, à suivre encore une partie qui nous reste, juste dans l'espace. Place de la Victoire, là où on va dévoiler plaque naïe. Donc merci, à suivre. Bangelo kote, ata bitumba iye makasi.
tanga na makomi nesikolo makinanga naza mutu naza mokilate e anatongo to na pokwa elombe na ngazali yozalio nazwa na ngangolute ya kubotama mwana ya mokonzi. Au grand homme, la nation reconnaissante, nous allons applaudir très très fort pour Moutéba Saba Samuel. Ainsi donc, son nom est gravé à jamais à ce lieu. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Moupépé Lukoki TV, site à Maman Nabiso, Yvonne. Maya leader Claude. Tomengi bino boya ebele boya posabone na mupepe lukoki TV yangone makamo.